Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Croyez-vous à l'immortalité? Rares sont ceux qui ne voudraient pas vivre pour toujours. D'un aspect physique, on est tous obligés d'admettre que la mort est inévitable. C'est une fatalité, un destin universel. Mais l'immortalité, ça vous dit quoi? Il n'y a pas grand monde qui sait que ça existe. Qui sait si ça existe? Moi, j'y crois pas vraiment. Enfin, dans notre période sur Terre, on transmettons le maximum de choses positives à nos enfants ou à nos proches. Moi, je crois pas non plus en la réincarnation. Je crois pas qu'on va revenir. Je crois pas, mais... On va retrouver les nôtres. Peut-être, je sais pas. Bon, comme tout le monde, on a des périodes de doute, on a des périodes où on se pose des questions, des périodes où, après tout, sans être croyant, bah, après tout, on visite beaucoup d'églises. Donc, peut-être que quelque part, on a envie de se raccrocher à des choses dans des moments plus compliqués, certainement. Certainement. Hein, L'immortalité, on n'y croit pas. On est sur Terre, on profite des plaisirs, etc. Et puis après, c'est fini. Ça me dit absolument rien. Moi, je suis athée. Ça fait que ça règle le problème, là. Je crois pas qu'il va y avoir un au-delà. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose. Moi, je crois à une forme de réincarnation. Qui peut exister, là. Je crois pas ça dur comme faire, là. Mais c'est une possibilité. Bon, regarde-moi, là. Qu'est-ce que j'en sais de l'immortalité? Moi, je prétends pas que je vais rester sous cette forme-là pendant des siècles. Ça m'intéresse pas. Je vais venir laide, puis pas belle, puis non. Mais je prétends, par exemple, que mes enfants qui m'aiment, mes petits-enfants qui m'aiment, eux vont me faire vivre dans leur cœur. Et ce que je vais leur donner comme principes moraux, ils vont le garder. Donc, ils vont leur transférer à leurs enfants. Et de cette façon-là, je vais rester vivante à l'intérieur d'eux. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. J'ai pas senti de grande certitude dans les réponses des gens qu'on a recueillis. Non, je pense qu'il y avait pas beaucoup de certitude et même j'irais jusqu'à dire qu'il y avait même de la négation finalement. Ouais. Ce que j'ai saisi, c'est que les gens ne croient pas du tout qu'il existe quelque chose. En fait, ils ne veulent pas croire qu'il existe quelque chose après la mort. Et ce que je trouve intéressant, Valérie, c'est que il y a quelques semaines, j'ai cité un extrait du père Gédéon, Doris Lucier, un penseur québécois qui a vécu qui a été très populaire dans les années 70-80. Et dans son texte, il parle justement de la mort et il parle de l'immortalité. Et j'aimerais juste le lire, ce qu'il dit. Et ça, ce qui est intéressant, ici, c'est un penseur, c'est un philosophe. C'est un homme qui s'est penché sur la situation. Il n'a pas juste dit ça là, sur un petit coup de tête, là. Il a réfléchi. Il dit ceci. « Il me semble impensable que la vie, une fois commencée, se termine bêtement par une triste dissolution dans la matière et que l'âme, comme une splendeur éphémère, sombre dans le néant après avoir inutilement été le lieu spirituel et sensible de si prodigieuses clartés, de si riches espérances et de si douces affections. Il me paraît répugné à la raison de l'homme qu'autant qu'à la providence de Dieu que l'existence ne soit que temporelle et qu'un être humain n'ait pas plus de valeur et d'autre destin qu'un vulgaire caillou. » Ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente cruauté, c'est que pour moi, mourir, ce n'est pas finir, c'est continuer autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. Je trouve ça merveilleux de la part de cet homme-là n'a pas écrit ça pour nous dire qu'il était chrétien et qu'il avait une espérance chrétienne, mais pour nous dire, ça m'apparaît complètement absurde de penser que on vit, puis on meurt, puis il n'y a plus rien après. Il me semble que si on réfléchit un instant, ça n'a pas de sens, cette pensée-là. Alors, s'il a réfléchi là-dessus, il rejoint ici la pensée chrétienne. Nous, on croit que, oui, il y a quelque chose après. C'est pour ça qu'on est là à l'heure de la bonne nouvelle, finalement. J'imagine que vous avez une opinion à ce sujet, alors on aimerait vous entendre. Alors écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. La mort effraie la plupart des gens. Voici le témoignage d'un homme qui était terrorisé par cette idée de la mort. Je suis le deuxième d'une famille de 5 enfants. J'ai grandi en Gaspésie, dans un petit village.
où mes parents étaient très croyants, très pratiquants, catholiques. Et pour nous, la messe, bien, c'était une obligation d'y aller jusqu'à un certain âge. Mais moi, dans cette activité-là, je trouvais pas ça vraiment intéressant. Ça m'amenait pas grand-chose, parce que même je me suis dit à un moment donné, je pourrais aller trouver le curé, puis le tasser, puis aller dire la messe à sa place, tellement c'était du répétitif. Il y avait peut-être une place ou deux là, où ce qu'il lisait les paroles de la Bible, que là, c'était pas pareil. Mais le restant, là, c'était tout pareil. Fait que ça me rejoignait pas vraiment. Je n'étais pas touché par ces choses-là. Puis chez nous, bien, c'était l'harmonie, c'était la paix, la joie. Mes parents s'entendaient bien. J'ai jamais entendu mon père crier après ma mère, ni l'inverse. Donc, j'ai grandi dans un foyer où il y avait une bonne harmonie. Puis c'était plaisant de vivre chez mes parents. Donc, j'ai passé une belle adolescence. Oui, un moment important dans ma vie, c'est peut-être vers 10 ans. J'ai manqué de me noyer. Puis vraiment, là, c'était sauvé une extrémiste, là. Il y avait personne où ce qu'on était, moi et mon cousin, puis on a tombé à l'eau. Puis un cousin m'a vu par inadvertance, puis il a descendu, puis il nous a sortis de l'eau, sinon c'était fini. Puis là, j'avais à peu près 10-12 ans, à cet âge-là. Fait que là, c'est la première fois là, que la mort s'est approchée de moi, vraiment. Pas longtemps après, il y a un de mes cousins qui s'est fait frapper dans la maison chez nous. Fait que là, j'entendais ma tante à côté crier, puis tout ça. Là, c'était les enfants, les gens dans votre chambre, puis tout. Là, c'était la mort encore une autre fois qui venait de frapper, peut-être 2 ans après. Puis dans un voyage avec mon beau-frère, durant un hiver, j'ai fait 2 accidents assez graves. Fait que là, la peur de la mort, là, est venue comme évidente dans ma vie, là. Puis là, j'étais plus capable de prendre une auto. Peu importe le moyen de transport que je prenais, j'avais cette angoisse-là qui me venait. Parce que là, j'avais peur de mourir. Puis là, je sais pas comment me débarrasser de cette peur-là, mais elle est tout le temps là. Puis là, j'ai commencé à prendre des drogues, puis tout ça, peut-être pour essayer de calmer cette douleur-là ou cette angoisse-là. Puis ça a fait un petit bout de temps. Pas longtemps après, j'ai rencontré une jeune fille, puis elle était chanteuse dans un orchestre. Puis le chanteur avait commencé à lire sa Bible chez eux, tout seul. Puis quand elle m'a dit que son ami qui chantait dans l'orchestre lisait la Bible, ben là, j'ai voulu le confronter avec mes arguments de dévolutionniste. Puis lui, il m'arrivait avec des choses de la Bible, puis j'avais pas vraiment de réponse à ce qu'il me disait. Alors, j'ai commencé à me mettre le nez dans la Bible pour contredire ce que la Bible disait. Puis à un moment donné, j'ai tombé dans un verset, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 14, où ce qu'il nous est dit que le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour délivrer ceux qui étaient constamment dans la crainte de la mort. Un esclavage, une servitude. Ça, quand j'ai lu ce verset-là, ça m'a vraiment frappé. Parce que c'est ce qui m'habitait profondément, la crainte de la mort. Puis c'était vraiment une servitude. Alors, là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce qui était écrit dans le livre, pas juste comme un livre à contredire, mais à peut-être chercher à le comprendre, le message. Fait que là, j'ai senti une émotion sincère vraiment de venir dans le fond de mon cœur et de dire, Seigneur, si tu existes vraiment, là, puis moi, là, je veux vraiment comprendre c'est quoi qui se passe là, dans ma vie. Tu existes, montre-moi-les. Puis c'est comme si tu avais allumé une switch, là, de on à off, là, de off à on plutôt. Puis à partir de ce moment-là, les Écritures se sont comme ouvertes. Puis la parole a dit que le voile se déchire, puis c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. La parole est devenue vraiment importante. Puis je lisais dans les Actes des Apôtres, on voit Pierre qui prêche, qui disait à ses frères juifs qui étaient autour de lui, « Repentez-vous, repentez-vous, vous allez avoir la vie éternelle. » Fait que là, je me suis vraiment repenti. Puis j'ai eu la vie éternelle à ce moment-là, je suis sûr et certain de ça, parce qu'il y a une paix qui est venue dans mon cœur, inimaginable. La crainte de la mort est disparue. Demande-moi pas comment, elle est disparue. C'est ça le miracle de Dieu, quand il vient dans la vie d'une personne, quand tu fais totalement confiance à lui. Puis ça, c'est la Bible qui me dit ça. C'est pas une personne, c'est la Bible seulement. Ma femme avait demandé une Bible à l'heure de la Bonne Nouvelle. Puis M. Jolin était descendu à Saint-Anne-des-Monts, puis il avait donné le nom à ma femme. Puis 2 chrétiennes sont venues chez nous un soir pour m'apporter cette Bible-là. Puis les autres, ils ont été étonnés là, quand ils ont rentré dans ma maison. Puis j'avais une grosse Bible de Jérusalem d'à peu près 6 pouces d'épais. Là. Puis je lisais là-dedans. Fait que là, ils étaient contents de voir ça.
On a cheminé avec Dieu. Aujourd'hui, je suis là pour donner mon témoignage de ce que Dieu a changé dans ma vie, qui a enlevé cette peur de la mort, parce que j'ai maintenant la vie éternelle. Tu ne peux pas perdre la vie éternelle. C'est éternel. Donc, ceux qui n'ont pas cette sécurité, je vous encourage, même pas à croire quelqu'un, à croire ce que la Bible dit. C'est elle qui est la vérité. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile, l'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditations quotidiennes Bonne semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006 Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel info@hbn.ca. Quand on parle d'immortalité, vous êtes peut-être de ceux qui se disent « une fois rendu, on verra ». Mais ne serait-ce pas plus prudent d'examiner cette question avant la fin de votre vie? Depuis que le monde est monde, l'homme essaie de vivre le plus longtemps possible. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, avec tous les produits qui existent, on essaie de vivre le plus longtemps possible et le plus beau possible. La Bible n'est pas du tout contre le fait de rechercher l'immortalité. Elle l'envisage même comme quelque chose de positif. Malheureusement, l'homme n'est pas fait pour mourir. Pourquoi cette recherche de l'immortalité? Eh bien, je vous suggère au moins deux raisons. La première raison, c'est que le Dieu qui nous a créés est lui-même appelé un Dieu immortel. La Bible nous enseigne, Moïse en particulier dans le psaume 90, dit « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Et aussi, c'est écrit le nom de l'Éternel qui revient 6800 fois dans la Bible. Le mot « l'Éternel », un nom de Dieu, veut dire littéralement « celui qui existe en dehors du temps ». Ce Dieu éternel, c'est la deuxième raison, nous a aussi créés éternels parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu relationnel qui nous aime et qui avait l'intention d'être avec nous, de vivre en relation avec nous pour l'éternité sur la terre. Malheureusement, on sait que le péché est entré dans le monde et que le péché a fait en sorte que pour Dieu, il n'était pas question de laisser l'homme dans cette situation, de telle sorte que dans le livre de la Genèse au chapitre 3, après que la chute soit arrivée dans le monde, eh bien, c'est marqué que Dieu a fermé l'accès à l'arbre de vie. Ce qui fait en sorte que maintenant, cette relation est rompue, est coupée avec ce Dieu créateur. Mais Dieu, il nous aime. Et la Bible dit que même si on meurt, on va un jour passer en jugement devant lui. C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20 puis au verset 12, que les morts vont rendre compte à Dieu, vont être jugés selon leurs œuvres. Donc, l'idée de penser que tout est fini après la mort est tout à fait contraire à ce que la Bible nous enseigne. Il y a deux options maintenant qui nous sont présentées au fond pour nous qui vivons aujourd'hui. Le verset que je vais lire maintenant nous propose et nous démontre ces deux options différentes. On lit ensemble. C'est dans l'Épître aux Romains, le chapitre 6 et le verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La mort, la séparation d'avec Dieu. Et ça, c'est un drame épouvantable. En réalité, je pense que l'être humain ne peut pas imaginer ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. Parce que nous, aujourd'hui, qui que l'on soit, incrédule ou pas, on vit
plein de ses bénédictions quotidiennement. Le Nouveau Testament nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. De telle sorte que on peut pas réaliser, c'est difficile de réaliser qu'est-ce que ce serait que d'être éprivé de Dieu et de ses bénédictions. Et j'ai comme l'impression des fois que l'être humain, c'est un peu comme un adolescent qui claque la porte et qui veut vivre sa liberté, mais est incapable de s'imaginer ce qu'il est en train de quitter véritablement. Et l'être humain est comme ça vis-à-vis de Dieu. On pense pouvoir se priver de Dieu, ne pas en tenir compte, mais on ne réalise pas à quel point on jouit chaque jour de ses nombreuses bénédictions. Et lorsque séparé de Dieu pour l'éternité, ces bénédictions-là, ça n'existera pas, ça n'aura pas lieu. C'est les ténèbres du dehors. C'est vraiment dramatique que d'être privé de Dieu et de sa présence. L'autre partie du verset, beaucoup plus positive, nous parle que c'est en Jésus-Christ, c'est écrit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. L'Évangile, c'est un don gratuit. C'est pas quelque chose qui se monnaie. C'est pas quelque chose qui se paye. On peut pas obtenir le pardon de nos péchés en accomplissant des bonnes œuvres. On peut pas obtenir le pardon de nos péchés en pratiquant une religion ou en faisant des sacrifices. C'est complètement en dehors de ce que la Bible nous enseigne. Le pardon de Dieu est quelque chose qui se donne. Et la raison pourquoi Dieu peut donner son pardon, c'est que c'est en Jésus-Christ, c'est marqué. Donc, Jésus-Christ, c'est le cœur de l'Évangile, et plus particulièrement, quand Jésus-Christ a été sur la croix. L'apôtre Paul, un jour, a dit que je n'ai rien voulu savoir parmi vous de parler de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Et la mort de Jésus sur la croix est ce qui nous ouvre l'accès au ciel et qui peut faire en sorte que Dieu nous accorde le pardon de nos péchés pour que nous puissions accéder à nouveau, non seulement à la vie éternelle, mais à la gloire éternelle, à être éternellement dans la présence de Dieu. Donc, les deux options qui nous sont proposées ne sont pas très compliquées. Un chemin qui mène à Dieu dans sa présence pour toujours ou celui qui nous conduit loin de Dieu, éternellement séparé de lui et, bien sûr, de ses bénédictions. Alors, chacun d'entre nous sommes confrontés aujourd'hui à prendre cette décision pour que nous puissions enfin obtenir cette vie éternelle et ce bonheur éternel, en fait. Ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers Dieu et de lui demander pardon. Dire, Seigneur, c'est clair, le péché, je le reconnais, me sépare de toi. Mais moi, aujourd'hui, je veux me tourner vers toi. Et je veux, Seigneur, que tu pardonnes mon péché. J'ai cru, je crois, je sais maintenant que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Et si vous faites cela dans une simple prière, le Seigneur vous pardonnera. Écoutez, Claude Castonguet, celui qui a été appelé le père de l'assurance maladie, en janvier 2011, a proposé au gouvernement du Québec que les Québécois devraient être obligés de prendre des rires parce que M. Castonguet était inquiet du niveau de vie des Québécois à leur retraite. À l'heure de la bonne nouvelle, nous sommes aussi inquiets non de votre retraite, de votre niveau de vie, mais où et dans quel état vous allez passer l'éternité. Et je peux vous dire que Dieu aussi se soucie tendrement de cette réalité et qu'il aimerait aussi vous voir venir à lui. La Bible dit que Dieu, ce n'est pas la mort du méchant qu'il désire, mais qu'il vienne à lui et qu'il change de conduite et que Dieu puisse lui pardonner. Ça, c'est l'attitude de Dieu envers chacun d'entre nous. Et c'est moi, François Fréchette, ici, qui vous invite à considérer cette offre. C'est comme si le Seigneur avait ses mains tendues vers vous pour que vous puissiez recevoir ce don gratuit qu'est la vie éternelle. Amen. Sur celui qu'on porte le blâme, paré de nos injures, seul responsable de nos drames, accusé d'imposture, c'est celui dont le nom dérange, que l'on prie seulement quand
ça nous arrange. C'est celui renié par peur de l'autre, l'heureux destiné à prendre ma faute. C'est celui dont le nom dérange que je prie quand ça m'arrange. C'est pourtant lui qui s'est chargé de ma honte, de mes fautes, qui m'a donné la liberté en prenant sur son épaule le poids de mes erreurs. Il les porte sur ce bois. Celui qui t'aime au point de t'appeler son enfant, pourtant le roi des rois est digne de perfection. C'est celui qui ouvre les bras, qui t'attend et t'offre son pardon. C'est celui qui dit viens, tu es fatigué, je te prendrai sous mon aile et te rendra léger. Oui, c'est moi dans le nom dérange que tu pries seulement quand ça t'arrange. C'est pourtant moi qui s'est chargé de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la sur mon épaule le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. C'est pourtant moi qui s'est chargé de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mes épaules le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. C'est celui qui viendra dans toute sa gloire, portant avec lui la clé de la victoire, que l'on reconnaîtra François, dans ton message, tu as bien démontré avec la Bible qu'il y a la vie après la mort, ça ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose qui arrive après. Et ça, c'est un fait biblique. Mais les gens qu'on a interrogés au Vox Pop, pour la majorité d'entre eux, ne croient pas cette vérité-là. Et dans le monde en général, et aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, là, en 2011, en 2012, les gens ne croient plus à l'existence après la mort ou, je dirais, ne veulent plus le croire, ce serait plus exact. Mais ce que je trouve un peu paradoxal, François, c'est que d'un côté, les gens disent « Bon, il n'y a plus rien là, c'est la fin des émissions, tout se termine. » Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de mourir. J'ai entendu des témoignages. Tu parlais dans une émission d'une infirmière qui avait vu Voltaire mourir, mais j'ai entendu des témoignages, j'ai entendu dans mes oreilles des infirmières qui ont vu des gens mourir. Puis c'était assez horrible. Il y avait peur de mourir. Il y avait une crainte, une peur terrible. Mais s'il n'y a rien, pourquoi les gens ont peur? Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que la Bible, Jean-Pierre, moi, un des textes qui m'a beaucoup frappé quand je suis devenu chrétien, ça rattrapait en fait ma réalité du passé, mais ça l'a synthétisé. C'est un texte qui dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, on vient au monde, j'allais dire, avec cette notion de l'éternité. Et on doit lutter contre cette notion-là pour pouvoir s'en débarrasser. Et ce que je m'aperçois, c'est que ça fonctionne pas tellement bien. On essaie de s'en débarrasser. Il y en a qui prétendent s'en être débarrassés, mais honnêtement, je les crois même pas nécessairement, pas dans le sens qu'ils sont pas honnêtes, mais au fond, devant la perspective de la mort, on change
notre notion. On remet en question parce que quand c'est loin, ça va, mais quand on est vraiment devant la mort, que ce soit d'un proche, mais particulièrement la nôtre, bien, là, ça fait mal. Là, on remet en question. Mais je pense aussi, si les gens ont peur de la mort et veulent rejeter cette idée d'une vie après la mort, c'est qu'avec cette pensée que Dieu a mise dans leur cœur, tout le monde, tout être humain est conscient qu'un jour, il va avoir à faire face à Dieu, qui est le créateur des hommes, créateur des cieux et de la terre, et que justement, la mort, c'est cette éventualité qui nous met face à ce Dieu-là. Ouais. Et on sait qu'on n'est pas prêt à rencontrer Dieu. Et c'est pour ça que, finalement, la peur de la mort existe et on veut l'évacuer. Je pense que c'est une des raisons que la Bible nous dit. Mais moi, j'aimerais juste vous dire, avant qu'on termine cette émission, qu'il est possible d'affronter la mort avec une assurance et une quiétude. Parce que la Bible dit que si on a reçu le Christ, la mort n'est plus une ennemie pour nous. Elle est simplement une porte d'entrée dans notre éternité, d'une félicité avec Dieu. C'est possible. L'apôtre Paul en parle abondamment dans ses lettres et il nous dit même que pour lui, c'est mieux encore mourir que de rester sur la terre, finalement. Donc, il n'y avait plus la peur de la mort parce qu'il savait où il s'en allait. C'est possible de le savoir. C'est possible uniquement lorsqu'on met notre confiance dans le Christ qui, lui, a vaincu la mort pour nous. Faites-le et vous allez voir que ça va changer non seulement la perspective que vous allez avoir de la mort, mais ça va changer votre vie présentement sur la terre. Et concernant cette vie sur la terre, regardez avec moi ce petit vidéo. Tout au long de notre vie, plus les années avancent et plus on acquiert un certain bagage, des expériences différentes. De plus en plus, on se rapproche de la mort. Chacun de nous y sera confronté. Est-ce que c'est tout? Parce qu'une fois mort, on laisse tout derrière nous. Mais pourtant, non. Il nous reste la chose la plus importante, notre âme. Et à l'heure de la bonne nouvelle, c'est ce dont on se préoccupe le plus. Votre âme. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditations quotidiennes Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006 Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel info@hbn.ca. La série complète sur DVD vous est offerte tout à fait gratuitement. Pour commander, écrivez-nous à l'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.